Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, donc je suis très fier de vous annoncer que c'est aujourd'hui que j'ouvre ma microbrasserie à Toulouse. Hein. Donc aujourd'hui jeudi 2 novembre 2017. Donc la microbrasserie, pour ceux qui ne le savent pas, se situe aux 5 rue de l'Hirondelle à Toulouse et j'ouvrirai donc cet après-midi à 14h. Voilà, donc c'est avec une grande émotion hein, que je vous annonce ça. Ça a été une sacrée aventure pour arriver jusqu'ici. Hein. Donc je suis rentré dans ce local au mois de mai 2016. Donc ouais, 1 an et demi hein, de boulot pour en arriver là. Je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Il y a eu voilà beaucoup de boulot, des hauts, des bas, des moments de découragement, des moments de joie, voilà, mais bon, généralement, hein, globalement, ça a quand même été quelque chose de très enrichissant. Je suis très content d'avoir fait ça, je suis très fier d'en être arrivé là aujourd'hui. Donc voilà, ouverture cet après-midi. Voilà, je suis super content, un petit peu stressé quand même, parce que voilà, bah, on va passer aux choses sérieuses là. On va voir comment ça se passe. Donc oui, vous avez vu là sur la petite séquence d'intro là, donc la nouvelle vitrine, enfin la nouvelle vitrine hein, que j'ai mis en place ce week-end. Donc on a collé tout ça avec ma femme, elle m'a fait un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, au niveau des bières que j'ai à la carte pour commencer, vous les voyez derrière moi hein, dans le frigo là, donc il y aura la Weizen et la Porter. La IPA, donc je voulais sortir une IPA aussi, j'ai eu un petit souci là sur le premier batch. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, j'ai filtré la bière pour l'embouteiller avec une quantité de levure toute petite mesurée que j'ai remis après, et donc c'est quelque chose que j'avais pas testé sur cette levure. Et voilà, erreur de brasseur de ne pas tester ces procédures sur de petites quantités. Donc ce qui s'est passé, c'est que la levure, elle m'a sorti un faux goût. Je pense que cette variété-là de levure supporte mal les faibles taux d'inoculation à l'embouteillage. Donc voilà, faux goût, bon goûter après 2 semaines de refermentation en bouteille. Donc c'est possible que ça se résorbe avec le temps. Donc on va voir, on l'a laissé un petit peu vieillir. Sinon, bah, c'est pas grave. Je jetterai le premier batch de IPA. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Donc voilà, si ça se réabsorbe pas, je jetterai le premier batch d'IPA. Et puis sur le deuxième batch, j'utiliserai, je pense, une levure différente à l'embouteillage, une levure qui supporte un peu mieux les très faibles taux d'inoculation que j'utilise lorsque je mets mes bières en bouteille pour la refermentation en bouteille. Voilà, sinon. Ouais, donc j'ai bien rangé, nettoyé là tout le local. Bon, faut encore que je passe un petit coup sur le sol. Mais donc je sais pas si vous voyez derrière moi, là, la déco a un peu changé. Je me suis un petit peu installé là derrière mon bureau. Là, je me suis fait une étagère avec bah, tous mes bouquins de brassage, mes affaires, mes trucs. Et puis en haut, je sais pas si vous voyez là les petits verres de dégustation. Donc a priori, je vais faire de la dégustation ici. Il faut bien que je vérifie qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire, mais c'est un petit peu compliqué. Hein. J'ai des échos un peu différents en fonction de où je demande. Donc, a priori, à la mairie, ils m'ont dit de voir ça avec la police municipale ou nationale, puisque eux, ils n'étaient pas trop sûrs de leur coup à ce sujet-là. Bon, on va voir. Voilà. Donc, ouais, ces dernières semaines, ça a été très chargé là, pour en arriver bah, jusqu'à l'ouverture. Donc j'ai eu beaucoup de stages aussi la semaine dernière, on s'est bien éclaté, franchement c'était super cool. Là j'ai eu un stage d'initiation, un stage d'approfondissement, et puis un stagiaire qui est resté avec moi ensuite le reste de la semaine, parce qu'il a un projet en Nouvelle-Calédonie qui a l'air assez sympa. Voilà, donc c'était super cool, on s'est vachement bien entendu, on s'est bien marré, on a bien bossé, hein, on a bien charbonné là pendant 1 semaine, mais voilà, j'étais super content. Ça m'a donné envie de faire un peu plus de stages d'ailleurs. Et oui, tiens, bah, j'en profite pour passer le mot. Le samedi 4 novembre, j'ai un stage d'initiation qui est prévu donc toute la journée. Donc c'est initiation, hein. Donc de 9h30 à 17h30. J'ai 3 personnes qui sont inscrites, donc il reste une place. Voilà, si jamais quelqu'un veut prendre la place, envoyez-moi un email et puis on arrangera ça. Donc l'email c'est bricolebrassicole@gmail.com.
.com, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu prochainement? Alors oui, juste que vous soyez au courant, là j'ouvre donc aujourd'hui jeudi 2 novembre et donc je vais être ouvert jeudi, vendredi, samedi de 14h à 20h a priori. Et dimanche, je pars en week-end, j'ai un petit week-end, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'était un truc qui était prévu depuis longtemps avec des potes à moi. On va se faire un week-end à Amsterdam, on va faire la fête un petit peu. Moi, je vais essayer de décompresser. Voilà, bon, j'avais pas prévu que j'ouvrirais en fait juste avant, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va se faire comme ça. Au niveau des horaires d'ouverture, ça va juste changer par rapport au fait que je serai pas ouvert le mercredi, donc je crois que c'est le 8 novembre. Voilà, je serai pas ouvert le mercredi 8 novembre, alors que normalement j'ouvre le mercredi. Hein. Donc voilà, au niveau des horaires d'ouverture habituels de la brasserie, ça sera du mercredi au samedi, 14h à 20h, a priori. Voilà, ça va être susceptible de changer. Voilà, je m'adapterai en fonction de mon emploi du temps, de ce que je remarque au niveau de l'affluence à la brasserie, etc. Voilà, donc petit week-end à Amsterdam, ça va être sympa. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo là-bas. Il y a pas mal de bons trucs hein, niveau bière à Amsterdam. J'avais déjà été, j'avais goûté des trucs vraiment, vraiment sympas. Il y a des pubs vraiment cool. Enfin voilà, ils ont vraiment la tradition pub beaucoup plus que dans le sud de l'Europe, en France, etc. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympa. Je vais essayer, voilà, je vais voir ce que je trouve là-bas niveau bière. Et puis voilà, je vous montrerai un peu tout ça. Et puis donc à mon retour, et ben, je vais enchaîner. Hein, voilà, maintenant il va falloir tenir la brasserie tous les jours presque. Il va falloir assurer la production. Il va falloir développer des nouvelles recettes. Là j'ai a priori une version modifiée de la Porter qui va arriver très bientôt. Et j'ai une Pale Ale qui est dans les tuyaux là, qui va arriver très bientôt aussi. Bon, alors la Pale Ale, il faut un petit peu plus de maturation, hein, environ un mois et demi, deux mois de maturation, donc ça sera plutôt vraiment vers la fin de l'année, je pense décembre, qu'elle sera proposée à la brasserie. Puis voilà, hein, plein d'autres recettes qu'il va falloir sortir, là j'ai quelques idées. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça en temps voulu. Et pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur l'ouverture de la brasserie cet après-midi. Ça va être sympa, voilà, je suis vraiment content, comme je vous disais, d'en arriver là, même si c'est un petit peu stressant là, d'ouvrir, mais bon, c'est un cap à passer. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et écoutez, éventuellement, si vous habitez dans le coin, surtout n'hésitez pas à passer à la brasserie, ça sera un plaisir de vous rencontrer. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bricole Brassicole. Salut, salut tout le monde!